Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que les workouts de ce début de semaine vous ont plu. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous entraîner chez vous, parce que l'objectif du home workout, c'est de travailler chez vous, vous avez la possibilité de nous suivre sur Zoom et donc d'être coaché. Vous avez à 9h le réveil musculaire avec Yvon. À midi, vous aurez la possibilité d'effectuer le workout que je vais vous présenter et vous pourrez également le pratiquer à 17h. À midi, vous serez avec Coach Mims et à 17h, vous serez avec Jess. Si vous avez envie de travailler un renforcement musculaire du haut du corps, vous serez avec Arthur à 10h30. Et si vous avez envie de travailler un petit peu simplement votre souplesse et la relaxation, rendez-vous à 13h avec Jules. Waouh, ça fait pas mal de Zoom à suivre. Rappelez-vous le numéro 21 15 9 75 001 avec mot de passe CF Louvre en majuscule. Venez, on est là pour prendre soin de vous. Maintenant, l'entraînement d'aujourd'hui, si vous venez donc à midi ou à 17h et ou si vous le pratiquez chez vous, double Elisabeth 42 30 18 de clean et deep. Donc c'est un mouvement de tirage avec une charge suivi d'un mouvement de poussée body weight. Le mouvement du clean, rappelez-vous, c'est deux possibilités. Avec le sac, on va effectuer ce mouvement. Ou alors ce mouvement. Donc vous avez la possibilité de faire squat clean si vous voulez rendre un petit peu plus difficile la chose du fait que vous ayez un sac qui est un petit peu moins lourd qu'une barre bien entendu. Vous pouvez le rendre plus difficile en pratiquant un squat clean. Vous pouvez utiliser des dumbbells ou des kettlebells si vous en avez envie. Le plus important en tout cas sur ce mouvement, démarrer avec le dos droit, les bras tendus, venir debout, serrer fort les fesses et simplement amener la charge sur vos épaules. La même chose si vous effectuez un squat, essayez de vous concentrer à amener la hanche plus bas que la ligne des genoux. Donc, casser la parallèle, comme on appelle dans le crossfit. Maintenant, les dips, vous avez plusieurs façons de le faire. L'idée aujourd'hui, ce serait de le pratiquer sur une chaise. Si vous êtes chez vous, c'est le plus simple. Vous allez faire ce mouvement-là. Moi, je vous montre avec les genoux fléchis. Vous allez faire ça. Vous pouvez le faire jambe tendue, une jambe fléchie, une jambe tendue, une jambe surélevée, une jambe tendue. C'est comme vous voulez. Plus vous allez avoir les jambes tendues, plus c'est difficile. Plus les jambes sont fléchies, plus c'est facile. L'objectif, c'est de faire un mouvement donc de répulsion dans le sens où vous allez fléchir au niveau des coudes et faire une extension complète. Quand vous allez fléchir, vous allez essayer d'amener, si vous avez une petite mobilité d'épaule un peu comme moi, vous allez amener les épaules à hauteur des coudes. Si vous voulez, vous pouvez descendre plus bas si vous avez une bonne flexibilité. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire 42, 42, 30, 30, 18, 18. C'est un workout qui va être court, qui va durer à peu près entre 7 minutes et peut-être jusqu'à 15 minutes. Ça dépend vraiment de la charge que vous avez. Encore une fois, si vous avez léger, allez simplement plus vite. Maintenant, le warm-up, vous allez avoir un minimum de 8 minutes. Every minute on 2 minutes sur 8 minutes. Première minute, 12 répétitions de ce mouvement. 1, 2. Et je reviens debout, j'ai failli me tromper. Je fais un up and down. Quand je fais mon up and down, j'envoie 1, 2 mountain climber et je reviens 12 répétitions. Deuxième minute, donc ça c'est la première minute, 40 secondes à peu près. 20 secondes de repos. Derrière, vous enchaînez avec 10 deadlifts et 10 front squats. Bras tendus, dos droit, épaules devant le sac. Front squat, on se concentre à avoir le bac juste ici. On envoie ses hanches vers l'arrière, vers le bas, la hanche plus bas que la ligne des genoux. Et quand vous remontez, c'est le sac qui part vers le haut en premier. Bien entendu, vous pouvez l'effectuer avec un dumbbell ou encore une fois avec une barre si vous avez la chance d'en avoir. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et on se donne rendez-vous sur les Zooms. Ceux qui viennent sur les WOD extérieurs, c'est toujours un plaisir de vous voir. Même c'est un très très bon plaisir de vous revoir. Gardez le moral, même si je sais que c'est pas évident de s'entraîner chez soi. Gardez quand même le moral. Ciao les gars!